Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère aussi que les moissons sont toujours bonnes et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors vous voyez, c'est l'été, mais n'empêche que nous allons quand même vous faire découvrir de nouveaux matériels dans notre émission Power Boost de cette semaine. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. La gamme des charrues semi-portées monoroue Kuhn s'élargit avec le nouveau modèle multi-leader avec une largeur extensible en 6, 7 et 8 corps en sécurité boulon de traction T ou non-stop hydraulique. Cette nouvelle charrue nécessite une puissance tracteur de 135 à 300 chevaux. Le design du bâti en Z offre un faible dépassement de la roue lors du travail en bordure de parcelle, ainsi que la possibilité de monter une roue de 1200 mm. Deux vérins télescopiques simple effet permettent un retournement progressif. Le groupe Manitou annonce un chiffre d'affaires en hausse de 21% à 357 millions d'euros au second trimestre 2012. Sur l'ensemble du premier semestre 2012, le chiffre d'affaires du spécialiste de la manutention a augmenté de 20% à 672 millions d'euros par rapport à 2011. On remarque que la division manutention tout-terrain enregistre une progression de 23% à 250 millions d'euros par rapport au second trimestre 2011. Cette hausse reflète en partie l'effort de réduction des délais de livraison sur le marché agricole. À fin 2012, le groupe Manitou a pour objectif une croissance de 10% de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle de 5% contre 5,5% l'année précédente. Cette semaine, nos équipes de tournage sont parties en Hongrie pour aller découvrir les tout nouveaux matériels classe. Alors justement, vous allez pouvoir vous aussi en découvrir certains en avant-première. Classe dévoile une nouvelle génération de faneuses compactes à 10 rotors. Le modèle porté se nomme Volto 1100, tandis que la version traînée est la Volto 110T. Ces machines travaillent sur une largeur de 10,70 m. Elles gèrent bien les fourrages comme la luzerne. On reconnaît les bras Maxpreed qui se distinguent par la fixation tangentielle des dents. Les bras porte-dents peuvent ainsi couvrir une longueur de travail supérieure de 33% par rapport au système conventionnel. Les dents flexibles sont dotées de 5 spires. La version portée Volto 1100 est équipée du système CKL qui permet d'assurer la stabilité des faneuses lors des travaux à vitesse élevée. Ce dispositif permet également de recentrer automatiquement la machine après un virage et d'éviter son ripage dans les pentes. Sur ces nouvelles faneuses, l'angle de dispersion peut être réglé sans outil entre 12 et 16 degrés en fonction des conditions de récolte. Enfin, signalons que les rotors sont portés par des roues de 6,5 pouces ou 8,5 pouces. On remarquera enfin que les boîtiers sont graissés à vie et sont reliés entre eux par des poutres rectangulaires. Produite dans l'usine Classe de Metz, cette nouvelle génération de presses Quadrant 3300 Rotocut à balles vient compléter la gamme déjà existante, portant ainsi l'offre Classe sur ce segment à 15 modèles. Quadrant 3300 RC cible le marché français de la presse haute densité avec un format 120 par 90 cm. Parmi les points forts, on remarquera un système de préchambre hydraulique qui peut être ajusté en cabine en fonction des conditions de récolte. Le rendement est élevé grâce aux 46 coups de piston par minute et une pression de canal de pressage de 200 bars. Les six noueurs sont protégés par le système de nettoyage turbofan. Le nouveau pick-up travaille sur une largeur de 2,35 m et est associé à un système d'alimentation à vis traversante Power Feeding System PFS ainsi qu'à un double rouleau tasseur d'andin. Les couples de l'embrayage à cam du pick-up et de celui du rotor ont été relevés de 20%. On remarquera que les Quadrant 3300 RC tout comme les Quadrant 3200 RC FC sont équipés d'un fond de coupe escamotable monté sur tiroir coulissant permettant ainsi d'accéder plus facilement aux couteaux. Ces derniers peuvent être présélectionnés en fonction des besoins. On vous en parle souvent, il est possible de réaliser d'importantes économies grâce à l'isobus et grâce à l'agriculture de précision. Écoutez cet avis d'expert.
Bonjour, bienvenue au Gaec du Paradis dans le Lauragais. L'année dernière, nous avons fait l'acquisition du pulvérisateur Xtrak V36, équipé de rampes alu en 28 mètres, d'une cuve de 3600 litres, avec la nouvelle génération des boîtiers Isomax Cellus. J'ai décidé de passer à l'agriculture de précision, notamment pour des économies d'intrants. Grâce à la coupure de tronçons, ça me permet d'économiser 4 à 5% d'intrants, notamment en bout de champ, à la coupure des rampes et au recouvrement dans la parcelle. Ma deuxième motivation pour acquérir ce produit, ça a été le confort de travail, notamment avec la gestion automatique des tronçons, la hauteur de rampe automatique, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur la conduite du tracteur, et notamment aussi pour les travaux de nuit, tels les fongicides, que l'on peut passer avec un traitement optimal. J'ai opté pour le terminal Isomax Cellus, équipé des licences Spire Control et Geo Control pour la gestion automatique de mon pulvérisateur. La compatibilité Isobus de cet équipement sera prêt pour le futur. J'ai choisi M-Farming pour plusieurs raisons. La communication Isobus, le respect de l'environnement et les économies d'intrants, le confort d'utilisation et surtout pour sa simplicité d'utilisation. Avec les normes, on n'est réellement jamais tranquille. Effectivement, l'administration ajoute toujours des exigences supérieures et vous le savez, en 2014-2015, vont arriver de nouvelles normes, ce qu'on appelle les normes tiers 4, en matière de moteurs. Alors les constructeurs, les tractoristes, les motoristes commencent à dévoiler leur stratégie et on va écouter celle d'ACO. ACO explique comment il compte relever les nouveaux défis imposés par les normes Tier 4 finales, Stage 4, pour la gestion des émissions de polluants de ses moteurs diesel. En pratique, il va continuer à utiliser la technologie SCR, mais pour certains modèles spécifiques, il devrait aussi la compléter avec un recyclage des gaz d'échappement refroidis, technologie EGR. Je profite de l'été pour vous reproposer certains reportages que nous avons particulièrement aimés, et en particulier celui concernant les walk-in machines. La roue est une superbe invention qui a fait ses preuves durant des millénaires, mais il faut bien l'avouer que dans un sol, les choses se compliquent. Et c'est en particulier le cas en forêt, dès qu'il y a des troncs couchés ou des ornières. Nous avons trouvé au musée de Moline aux États-Unis le concept de l'abatteuse Timberjack. Les roues ont laissé la place à des pattes hydrauliques. L'évolution des capteurs électroniques et de l'hydraulique permet désormais d'envisager l'avènement, dans quelques années, de ce que l'on appelle les walking machines. L'armée travaille déjà dans cette voie. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Guy Joly, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant un GMC totalement désossé. Alors donnez-nous un ordre d'idée. Je sais que c'est compliqué des fois d'arriver à quantifier cela, mais pour remettre en état un camion de ce type, il faut compter combien d'heures ? Environ 1000 à 1500 heures, c'est un minimum, sachant que nous sommes partis sur une épave. C'est un GMC Ben, relativement rare. Et de ce fait, des gens de l'association donnent de leur temps. Ils sont en activité le reste du temps, donc ils ne peuvent venir que le samedi. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le nombre de membres de votre association ? Nous sommes actuellement entre 170 et 180 membres. C'est à peu près le nombre que l'on a chaque année. Guy Joly, merci beaucoup. Jean-Charles Brisson, alors on parle du GMC, c'est quand même un camion étonnant. Vous pouvez nous raconter un peu son histoire ?
C'est le camion mythique de l'armée américaine. Hein. Il a été fabriqué à partir d'une caisse civile qui a été modifiée pour l'armée américaine, fabriqué à partir de 1941 et décliné en une multitude de versions. C'est pour ça que vous avez pu voir le GMC Atelier, vous avez pu voir un GMC Citerne et là le GMC Ben qui était utilisé essentiellement par le génie pour la réparation des routes et la création des aéroports. Alors c'est un matériel particulièrement fiable et un matériel que l'on pouvait charger. C'est un camion qui était très fiable, puisque on prête à Eisenhower les paroles suivantes. Si le GMC n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Effectivement, c'est un camion qui, pour une charge utile, normalement de 2,5 tonnes, embarquait régulièrement 2 voire 3 fois sa charge. Et au point de vue motorisation, on retrouvait quoi ? C'est un moteur classique 6 cylindres en ligne de 104 chevaux, mais qui est très très performant et très fiable. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par la suite, c'est un camion qui a été très utilisé, et notamment par les pompiers. Et on l'a retrouvé après la guerre dans de multiples services, notamment les services d'incendie, également chez les particuliers, dans le cadre des transports et même dans les fermes. Jusqu'à quand ? Jusque dans les années 70-80 à peu près. Merci messieurs pour ces présentations. Merci. Merci. Voilà, Power Boost est terminé. Je serai bien sûr très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Power Boost, en sachant que ce sera la dernière de cette saison, mais on se retrouvera dès la fin août. Alors n'hésitez pas, si vous voulez suivre l'actualité machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas que vous pouvez aussi bien sûr profiter de l'été pour lire notre journal partenaire, Le Mensuel, Agriculture et Nouvelles Technologies. À bientôt.